pure et froide, plus que vous êtes en capacité d'en mettre sans que ça fasse de la fausse glace. Parce que quand plus que la température est chaude, bien, on dirait que le phénomène de fausse glace se provoque plus facilement. Ce qui se trouve être la fausse glace, c'est quoi? C'est que c'est comme si, mettons, il ferait comme plus froid à l'extérieur. Ben non, non, c'est pas la bonne explication. C'est que la glace gèle en surface, puis étant donné qu'il fait pas assez froid, mais elle ne glace pas suffisamment rapidement. Il se fait comme une espèce de bulle d'air en dessous de la glace. Puis quand il se forme une bulle d'air en dessous de la glace, mais c'est ce qu'on appelle une fausse glace. C'est quand vous allez plier dessus, étant donné qu'il y a une bulle d'air en tour, vous allez plier dessus, mais ça va craquer, ça va casser. C'est pas une glace solide. Dès que vous allez plier dessus, ça va craquer de partout, ça va faire des trous partout. C'est une chose à éviter. Bon, j'ai tiré ma hausse. Regarde, ça, c'est largement suffisant. Bon, je dis légèrement suffisant. Je la vois, ça serait bon de la tirer un petit peu plus. OK, comme ça. OK. Bon, je complète le petit bout qui me restait à compléter. Bon, Renick, je fais une deuxième couche. OK, ça ne cherche pas à faire... OK, je ne suis pas trop en période de slotch. Puis je vais y pas arroser non plus trop en période de slotch parce que on sait ce que ça fait, mais on arrose par-dessus une période de slotch, ça fait des bâtons. Fait que j'en mets un peu plus à cet endroit-là. Ça veut dire que j'ai comme un petit creux et tout, cet endroit-là, mais pas trop non plus. Trop, ça serait pas bon. Ça me prendrait du temps à revenir par-dessus puis arroser parce que c'est mou. Parce que, quand possible, il faut attendre que ça soit gelé avant de remettre une deuxième couche. Par-dessus. Ça veut dire une autre couche. Que je suis déjà une deuxième couche. Voilà. Bon. Et voilà. Voilà. Tout ce qui a trait à la deuxième couche. Espérons que j'aurai assez de mémoire dans mes cartes mémoire pour numérique pour pouvoir vous montrer la troisième couche. Sur ça, je vous laisse.